Et ce sera, tu verras, et ce sera, tu verras, un feu de joie. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Bonjour. Je te dis tu à tout le monde parce que je trouve que le vouvoiement, ça a été inventé pour nous faire croire qu'on vit les uns contre les autres, alors qu'en fait, on vit les uns avec les autres. Balavoine, montez si haut, descendu si vite. Tu as vu, je me suis débarrassée de tous mes vêtements. Parce que les vêtements, ça nous enferme dans des cases. Ça nous divise. Arrêtez de nous diviser. On n'est pas des problèmes de maths. Je me présente, je suis Amélie. Amélie Bidot. Et si je me permets d'intervenir dans votre émission, Stéphane, enfin, si je me permets d'intervenir dans ton émission, Steph, je vais t'appeler Steph, on est à l'aise, on est tranquille. C'est parce que j'avais besoin de remercier Benabar, enfin, je vais t'appeler Benab, parce qu'on est bien, on est tranquille. J'avais besoin de remercier Benab. Merci pour tout ce que tu fais, parce que, en fait, je te dois tout. Mon histoire était un petit peu banale. J'étais ophtalmo et pourtant, mon bonheur était flou. Et quand j'ai écouté ta chanson « Le complexe du sédentaire », tout est devenu plus net. Je me suis dit « Mes rêves, je dois les vivre maintenant, parce qu'après ce sera trop tard. » Alors j'ai tout plaqué. Je me suis dit « C'est le début de la suite. » J'ai arrêté de prescrire des lorgnons pour me libérer l'oignon. Fini les demi-lunes, je devais libérer la mienne tout entière pour la laisser s'exprimer. Je trouve que dans ce nouvel album, tu laisses passer beaucoup de sentiments, beaucoup de bons conseils pour le bonheur. Et... oh Benab, tu me fais penser à mon chat. Oui, parce qu'il m'apprend tous les jours combien c'est naturel d'être à poil. Tu sais, mon chat, il s'appelle Presby. Mais des fois, je regrette, je préférerais que ce soit un chien. Comme ça, je pourrais dire Presby, ici. Si tu n'aimes pas les jeux de mots, tu n'aimes pas mon sketch. T'inquiète pas, il est bientôt terminé. Je ne sais pas si tu te rends compte combien c'est incroyable comme on est connecté, Benab. Je veux dire, quand t'as posé nu pour Paris Match, mais je me suis dit, mais ce type, c'est un nudiste qui s'ignore, un cul nu refoulé. Alors, mets-toi tout nu, Bruno, lâche-toi. Mais oui, tu sais, j'ai lu que tu ne savais pas t'habiller, que tu avais des problèmes de goût, mais ça règle tous les soucis en matière de goût vestimentaire. Oh. Laisse tes bouliches sortir, Bruno. Oui, libère-les du carcan appelé slip. Sophie, je suis sûre que tu as toujours rêvé de présenter cet au programme, la marguerite au vent. Oui, et toi, le public, mets-toi tout nu et ensemble brûlons nos vêtements dans un immense feu de joie. Wouh, danse. La joie. Bravo. Attends, excuse-moi, tu peux couper la musique. Alors, par exemple, à faire conclure qu'elle est issue de l'époque Art Nouveau. Oui, exactement. Hein, le côté oui. Végétal, ça, comme ça. Ça fait au moins 50 euros, là. Oh oui. Adjugé, vendu. Excusez-moi, parce que oui. Vous avez un problème? Je trouve plus mon téléphone portable. Eh ben, et quand je ne l'ai pas sur moi, je me sens un poil. Oui. Elle est bien, cette chute. Oui. C'était Constance. Merci, Constance.